Xavier Albert, vous êtes dépositaire de presse à Ampuy dans le Rhône. Ça fait 2 ans que vous pratiquez ce métier en association avec une de vos collègues. Aujourd'hui, comment est-ce que vous avez vécu en ce mercredi 14 janvier, la vente des journaux? Je crois que d'ailleurs vous le dites, Charlie, j'en ai plus. Voilà, j'ai plus Charlie, disons. En fait, on s'est levé tôt. Hein, on a s'est levé tôt pour voir un peu combien on avait de Charlie et puis comment on pouvait accueillir au mieux les gens qu'ils voulaient. Alors il y en avait combien aujourd'hui? On en avait 30. Et donc, d'habitude? Et d'habitude on en a 3-4, disons. Voilà. Et c'est parti en combien de temps? Et c'est parti en 5 minutes. On a ouvert à 6h, à 6h05 on n'avait plus rien. Qu'est-ce que ça traduit à votre avis, cet engouement? Eh ben, je sais pas trop. Faut-il des morts pour vendre de la presse? Faut-il... les gens ont fait un élan de solidarité, ça me paraît normal, voilà.